Si la transparence c'est la vertu, euh, il n'y a plus de cas de conscience, puisque à chaque fois qu'on a un problème de, à trancher entre ce qui doit être secret et ce qui doit être transparent, il n'y aurait pas de problème, bon, puisque nous sommes tous vertueux, ça va de soi, et nous n'avons pas envie de commettre le péché. Seulement les choses sont plus compliquées que ça. Par exemple, si vous prenez la justice, tout le monde comprend que la justice doit être rendue publiquement, mais tout le monde comprend aussi que pour étudier un soupçon avant l'audience publique, il faut bien du secret, d'abord moralement pour pas Estropier les gens qui ne le méritent pas, et ensuite, techniquement, parce que c'est idiot de partir à la chasse avec un tambour. Donc on voit bien qu'il y a, pour la même chose qui est justifiée, c'est-à-dire la justice, il y a bien une phase de secret et une phase de public. Il y a bien du voilé et du dévoilé. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans ce livre, qui est tout sauf polémique, qui est une tentative d'explication et de dépassionner un sujet qui est trop, parce qu'on met. Encore une fois, le bien du côté de la transparence et le mal du côté du secret, ce qui est complètement absurde. Lorsque la justice étudie un soupçon, c'est un vrai problème que la presse balance ce soupçon sur la place publique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une phase secrète, une phase de transparence, et les deux sont vertueuses. Alors, lorsque la justice reçoit un matériel volé, par exemple, des confidences enregistrées, captées, euh, la justice s'en saisit pour punir ceux qui ont dit des bêtises euh, ou qui ont dit des infractions euh, et qui sont écoutés illicitement et ceux qui ont fait l'écoute illicite, c'est-à-dire le journaliste et la personne qui a été écoutée si elle a commis des infractions. Bon, Mais le journaliste, lui, n'a pas ce pouvoir. Donc s'il euh, quand... si, si se met à vouloir faire des écoutes sauvages, il sera puni. Et les écoutes dans l'affaire Bétancourt sont quand même des écoutes sauvages pendant un an qui euh, posent un véritable problème. Je pense qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre du droit de savoir avec tous les moyens d'investigation qu'on vient de voir, par exemple, pour les affaires de l'UMP qui sont un peu compliquées, où finalement le, le secrétaire général de la, du parti politique en question a remercié la presse. D'avoir révélé un certain nombre de choses. Ça, c'est tout à fait logique. C'est le travail de la presse, la liberté des sources, qui est prévue. C'est un travail constitutionnellement prévu, la, la liberté de, de, de la presse et la liberté d'expression. Mais il y a une certaine limite euh, qu'on ne peut pas non plus dépasser sous prétexte de vertu. Je crois que la plus belle, euh, la plus belle phrase, c'est une lettre que Kant a adressée à une jeune femme qui se plaignait d'être euh, malheureuse euh, en amour, parce que son fiancé l'avait quittée. Il a mis huit mois pour lui répondre c'est Maria van Her Herbert, je crois, il a mis beaucoup de temps pour lui répondre, et il lui a dit cette phrase sublime, il lui a dit, Il faut savoir, même dans le commerce intime, il faut savoir rester seul. Et citant les anciens, Mes chers amis, il n'y a pas d'amis. Tout ça pour dire qu'il y a même dans le, la, plus, la plus grande intimité avec un autre, il y a l'intimité avec soi. L'intimité avec soi, c'est la voie de sa propre conscience, qui vous parle, qui me parle, qui vous parle, qui parle à chacun. Et, et ça, elle est par définition incassable, ou alors si on la casse, on tue.